On va commencer la séance. Je vais présenter très rapidement Frédéric Caillère, que j'ai rencontré parce que je suis allé assister à une de ses conférences. C'était à l'Université populaire ici à Strasbourg, sur l'expressionnisme américain. Il est très versé, il a fait toute une série de conférences là-dessus, il est passé sur cette peinture-là. Frédéric Caillère, si j'ai des bêtises, il est ingénieur, en fait, et puis il a basculé du côté de là, avec une pratique personnelle, mais surtout une grande connaissance de l'histoire de l'art, laquelle il est venu de manière autodidacte. Et donc, ce soir, conférence sur Pierre Soulages. Donc conférence qu'il a déjà donnée donc à l'Université populaire et dont je pense qu'elle est suffisamment intéressante et puis d'actualité au regard de ce qui s'est passé ces derniers temps avec l'expo qui a eu lieu à Beaubourg évidemment et puis la très belle expo qu'on a eue ici donc au musée d'art moderne à Strasbourg avec toute l'œuvre gravée de Pierre Soulages. Voilà. Frédéric Caillère, donc je laisse la parole. Ce soir, c'était prévu que ce soit la première partie d'un cycle de deux conférences avec la conférence des architectes qui sont en train de construire le musée Soulages à Rodez. Malheureusement, donc la deuxième partie a été annulée, mais ça ne va pas nous empêcher de vous parler de Soulages ce soir. Donc le but, c'était un petit peu de vous présenter l'œuvre du peintre avant de vous présenter l'architecture du nouveau musée qui lui est consacré. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher de faire cette première partie. Donc, au programme ce soir, je vais vous présenter un petit peu l'intégralité de l'œuvre de Pierre Soulages en prenant un programme un petit peu chronologique. Soulages, ça fait plus de 60 ans qu'il est actif en peinture et dans d'autres activités artistiques annexes. Il a donc commencé sa véritable carrière artistique au sorti de la guerre en 1946. La première période de sa carrière s'est étendue à peu près jusqu'à 1962. Elle a été basée sur des tableaux avec de grands signes sombres. C'était un petit peu son premier âge d'or et c'est cette période qui l'a fait connaître et qui l'a établi comme étant un artiste majeur du XXe siècle. À partir de 1963 et jusqu'à la fin des années 70, rétrospectivement, il a eu une période un petit peu de transition. Donc on va la passer en revue aussi, mais elle a peut-être moins d'intérêt au niveau pictural que ce qui s'est passé au début et surtout de ce qui s'est passé à partir de 1979. Car c'est en 1979 que Soulages invente l'Outre Noir, qui est un petit peu la grande affaire de son œuvre. Ce sont ces grandes toiles noires qui reflètent la lumière et dont on va parler en détail tout à l'heure. Et puis à partir de 1990, il y a une certaine radicalisation de sa pratique de l'outre noir, mais qui est très très intéressante parce qu'elle va marquer un petit peu une rupture dans son art. Il va se renouveler, mais sans se renier. Donc c'est aussi une période très intéressante et qui a encore été relativement peu analysée par la critique et par l'histoire de l'art, parce qu'elle est encore très récente. Et enfin, en dernière partie, je vous proposerai de faire un zoom sur ces eaux fortes dont certains d'entre vous ont peut-être vu l'exposition du musée de Strasbourg, qui était centrée sur les eaux fortes, sur ces gravures, et qui nous permettront de voir un petit peu les relations que Soulages entretient avec les outils, avec les matériaux, et la manière dont il respecte les matériaux qu'il travaille. Voilà, donc on va passer en revue un petit peu la totalité de son œuvre et puis je vais essayer de m'arrêter un petit peu plus sur les aspects qui peuvent faire écho à des pratiques architecturales ou à des problématiques architecturales. Il y en a quelques-unes dans son œuvre. Je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant pour cette conférence ce soir.
Alors très très rapidement, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on va passer très très rapidement sur sa jeunesse. Soulages est né à Rodez, hein. C'est donc à Rodez qu'il y aura le musée Soulages qui devrait ouvrir dans quelques années. Il s'intéresse très jeune à la peinture, à l'art préhistorique, à l'art roman. Et là, vous avez quelques-unes de ces toiles de jeunesse donc, qui sont présentées. En quelques mots, il est repéré par ses professeurs de dessin et d'art plastique relativement tôt. Il est doué. Ses professeurs le poussent à passer le concours des Beaux-Arts à Paris. Donc, il monte à Paris en 1938-1939. Il passe le concours des Beaux-Arts. Il est admis aux Beaux-Arts, mais il refuse d'y entrer. Il décide donc déjà très jeune que ça n'est pas une école qui doit le former, que la personnalité artistique doit venir de lui-même et que s'il doit se trouver un style, c'est de lui-même que ce style doit naître et que ce n'est pas à une école de le former et de le formater pour devenir artiste. Donc une fois qu'il est admis, et ben, il rentre dans le sud et malheureusement, la guerre arrive. Donc la guerre met entre parenthèses toutes ses activités. Il passe la guerre à Montpellier et puis clandestinement dans l'arrière-pays de Montpellier. Et à la libération, en 1946, il remonte à Paris avec la ferme intention de devenir artiste. Il s'installe à Courbevoie en 1946. Il commence à peindre, il fait à cette époque des compositions abstraites que vous voyez sur la droite, qui sont relativement dans la tendance, qui s'inscrivent bien dans la tendance générale de l'époque. Hein. L'époque est à l'abstraction géométrique. Peut-être que Soulages se distingue un petit peu en employant des tons un petit peu plus sombres. C'est vrai que ce sont les tons vifs qui sont quand même principalement à la mode à l'époque, mais sinon dans le type de composition, il ne se démarque pas particulièrement. Très vite, en 1947, il va essayer le Broudenois. Alors le Broudenois, c'est obtenu en pressant des noix et l'écorce de noix, et c'est un produit qui est utilisé pour entretenir le bois, pour teindre le bois. C'est pas du tout un produit qui est utilisé dans le domaine des beaux-arts. Et Soulages se penche vers le broudenois pour plusieurs raisons. Ben, il y a une raison économique, il est pauvre à l'époque et acheter du broudenois, ça coûte moins cher que acheter de la peinture. Mais aussi pour une raison artistique. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la manière dont il va réussir à laisser s'exprimer le broudenois, à respecter son matériau dans sa peinture. Donc le gros intérêt du broudenois, c'est que il a une teinte brun-noir très très sombre, mais à la dilution, il va devenir fauve, et puis on va aller vers des beiges clairs, et on va avoir tout un camaïeu de teintes très très intéressant. Donc Soulages va jouer sur les propriétés de ce matériau, le diluer pour faire ressortir ces différentes couleurs. Et ça, c'est une attitude qu'il commence à avoir donc en 1947 avec le broudenois et qu'il va avoir tout au long de sa carrière avec tous les types de matériaux qu'il va utiliser. Donc 1947, c'est aussi l'année où il monte ses premières toiles au Salon des Surindépendants, qui est un salon qui n'a pas de jury, donc dans lequel on peut exposer sans passer l'étape d'une première sélection. Il est remarqué à cette occasion par Picabia et par un collectionneur allemand qui organise une exposition itinérante d'art français en Allemagne. Et donc la peinture, enfin le broudenois, donc c'est une peinture sur papier que vous avez à gauche ici, est retenue par ce collectionneur, le docteur Dominique, pour se retrouver sur l'affiche de cette exposition. Donc on a ce broudenois de Soulages qui va se retrouver placardé à travers toute l'Allemagne sur ces affiches. Alors une autre tentative tout de suite avec des matériaux un petit peu originaux. Soulages, quand il arrive à Paris, à la gare de Lyon, il remarque que la verrière de la gare de Lyon, qui a été brisée pendant les bombardements de la guerre, a été réparée avec du goudron. Et c'est quelque chose qui l'impressionne. Donc il essaye de reproduire ces sensations qu'il a eues à la gare de Lyon en faisant des peintures de goudron sur verre. Donc ça n'aura pas vraiment de suite. Il fait uniquement trois goudrons sur verre que vous avez ici, qui sont au musée de Saint-Étienne. Ça n'aura pas vraiment de suite, mais ça montre un petit peu son attrait pour l'expérimentation et pour les matériaux un petit peu originaux. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que très rapidement, Soulages va abandonner les outils classiques des beaux-arts et va, dans un premier temps, utiliser des outils de peintre de chantier.
Et il comprend très très tôt que ce qu'on obtient sur la toile, c'est intimement lié à la conception de l'outil. Il raconte souvent une anecdote à propos des pinceaux chinois. En Chine, il y a des pinceaux qui ont la forme de feuilles de bambou et qui sont faits pour dessiner les feuilles de bambou sur les paysages. Donc forcément, quand on prend ce type de pinceau, la trace que laisse ce pinceau est déjà prédéterminée par l'outil qu'on choisit. Donc il comprend très très tôt que s'il utilise des outils classiques des beaux-arts, il va obtenir un résultat qui est déjà déterminé à l'avance. Et donc il va s'orienter vers des outils qui vont lui être propres. Donc il commence par utiliser des outils de peintre en bâtiment qui sont plus larges, donc avec lesquels il arrive à faire des traits plus larges que des brosses de peinture. Et puis plus tard, il va fabriquer ses outils. On verra ça au milieu des années 50, il va carrément fabriquer ses outils. Donc ce qui définit la peinture de Soulages à cette époque, donc on a ces grands signes noirs sur fond clair, c'est plus tous les refus que Soulages exprime vis-à-vis de sa peinture. Donc en fait, on va pouvoir définir sa peinture par la somme de ses refus. Donc son premier refus, bien sûr, c'est le refus de la représentation. Il est dans l'abstraction, il refuse de représenter quelque chose, mais il va plus loin. Il va aussi refuser la représentation de l'émotion. On sait que dans l'après-guerre, tous les courants, énormément de courants de peinture abstraite ont eu pour sujet de représenter l'état d'âme des artistes, les émotions de manière abstraite, etc. Donc ça, Soulages le refuse entièrement. Il refuse aussi l'abstraction géométrique, qui est pourtant le courant principal de l'art d'après-guerre. Et il explique que quand on fait de l'abstraction géométrique, on représente des formes existantes. On représente un triangle, on représente un rond, on représente des carrés, on utilise des formes préexistantes. Donc ça, ce sont des choses que Soulages refuse. Ah, merci. Son autre refus, c'est le refus de la trace. Un autre grand courant de l'art d'après-guerre, c'est l'action painting. La peinture gestuelle ou la peinture peut être vue par certains critiques comme Harold Rosenberg aux États-Unis comme étant la trace d'une action, la trace d'un acte de peindre. Donc ça Soulages le refuse entièrement. Il ne souhaite pas que ces peintures soient vues comme la représentation d'un mouvement parce qu'il dit que si on voit qu'il y a eu une trace de pinceau ou quelque chose, l'attention du spectateur va être ramenée au moment de la création. Tandis qu'il veut que le spectateur puisse rester avec la toile, il veut que la toile se vive au présent et qu'elle ne se vive pas au passé. Donc il essaye au maximum, quand il va utiliser des traits sur sa toile, que ces traits n'aient pas l'air d'être linéaires, qu'on ne puisse pas les lire et recomposer ce qui s'est passé au moment où il a composé la toile. Il essaye de faire des signes, il dit des signes qui se livrent d'un coup, où le signe en entier parvient au spectateur en un coup et on n'arrive pas forcément à le décomposer. Pour faire un parallèle, par exemple, avec Georges Mathieu, qui est l'autre grand artiste de l'abstraction lyrique d'après-guerre, Georges Mathieu va déjà se donner en spectacle lorsqu'il réalise ses toiles, et puis il va faire un grand geste et donc laisser une trace de pinceau sur la toile avec les éclaboussures qui vont avec. La première chose qui se voit, on voit le geste en visualisant la toile immédiatement. Soulages essaye d'éviter ça à tout prix. D'ailleurs, Soulages n'a jamais peint en public. Il a autorisé une seule fois un journaliste à pénétrer dans son atelier alors qu'il travaillait. La séance de travail, c'est quelque chose d'intime et le spectateur est face à la toile par après et doit lier un contact avec la toile, mais de manière totalement indépendante de l'acte de la création. Et enfin, son dernier refus, c'est le refus des titres. Tout ça, très très rapidement, dès la fin des années 40, il va nommer toutes ses peintures, leurs dimensions et leur date de création. Donc il n'y a aucun titre, on ne guide pas le spectateur, on reste neutre. Et surtout, on n'établit aucune relation avec quelque chose d'existant. Enfin, le dernier des refus, c'est le refus du cadre. Soulages ne présente jamais ses peintures encadrées. Alors, certains collectionneurs qui ont acheté des toiles de Soulages peuvent faire encadrer les toiles. Et donc, on peut voir des toiles de Soulages encadrées, mais Soulages lui-même ne présente jamais ses toiles encadrées. Quand on encadre une œuvre, on l'inclut dans un autre espace.
On la confine, elle ne fait plus partie de l'espace standard, on la met un petit peu dans une boîte et puis on la regarde vue de l'extérieur. Or, toujours la même idée chez Soulages, il faut que la toile soit présente, il faut qu'elle fasse partie du monde, il faut qu'elle ait sa propre personnalité. Et donc, il ne faut qu'il n'y ait aucun obstacle entre la toile et le spectateur. Le spectateur doit être libre de dialoguer avec cette toile et de lui donner le sens qu'il veut. Alors, cette conception de la peinture, ça s'inscrit pleinement dans la théorie de Georges Mathieu. Donc, Georges Mathieu est le leader de l'abstraction lyrique en France dans l'immédiat après-guerre. Et Georges Mathieu a beaucoup théorisé la peinture, il a écrit plusieurs ouvrages, et il a la théorie de l'inversion du signifiant et du signifié. Donc, selon lui, son courant, l'abstraction lyrique, a fait une avancée décisive dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture. Il explique qu'avant l'abstraction lyrique, il y avait toujours un signifié qui était présent avant l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre faisait toujours référence à quelque chose d'existant, que ce soit bien sûr un portrait, une représentation, une nature morte qui fait référence à des objets, mais aussi dans l'art abstrait, que ce soit dans l'art géométrique avec justement des références à des formes préexistantes dans l'imaginaire collectif, et ou que ce soit aussi par exemple l'art abstrait que vous pouvez faire des gens comme Miro ou comme Harpe avec des formes un petit peu d'amibes ou de choses comme ça, ça représentait des concepts qui étaient préexistants dans la société. Tandis que pour Georges Mathieu, l'abstraction lyrique, c'est la première fois où on propose une toile sans aucun rapport avec le monde et à partir duquel va se construire une signification. Donc, et Pierre Soulages s'inscrit entièrement dans ce type d'analyse. Soulages propose une toile, il n'y a aucune signification préalable, on va construire une signification à partir de la toile. Le signifiant est là en premier et le signifié va se construire en second. On n'est plus du tout dans une mise en image de concepts qui existent. Et donc, Soulages, lui, traduit ça par une formule qui est également très belle, peut-être un petit peu moins théorique. Il dit « Je ne veux pas dépeindre, mais peindre. Je ne veux pas représenter, mais présenter. » Et le maître mot, la conception de l'art de Soulages, peut être condensée dans un mot, c'est la présence. On a une œuvre, elle va acquérir sa propre personnalité d'elle-même, sans emprunter à quelque chose de préexistant. Alors en 1949, Soulages fait sa première exposition personnelle à Paris, à la galerie Lydia Conti. Et puis, il va entamer les années 50 en renforçant son travail sur... Donc, dans ces grands broudonnois, ces grands signes de la fin des années 40, on mettait en avant bien sûr le fort contraste entre la forme sombre et puis le fond clair. Mais Soulages, au début des années 50, va vraiment commencer à travailler sur la problématique de la lumière en utilisant des techniques du clair-obscur qui consistent tout simplement à mettre en parallèle et à rapprocher des tons très sombres et très foncé de ton très clair pour faire ressortir une impression de lumière, faire naître une illusion de lumière. C'est une technique ancestrale hein, qui a été utilisée par Rembrandt en particulier, dont Soulages est un admirateur fervent. Et donc c'est pendant toutes les années 50, il va travailler à créer la lumière sur sa toile par l'intermédiaire de ses contrastes. Sangor, qui a écrit sur Soulages, parlera plus tard de noire lumière dès 1960 pour décrire ses toiles. Et donc, au fur et à mesure des années 60, la couleur fait de plus en plus son apparition. Soulages dit que le noir confère une présence intense et violente à la couleur. Et donc, juxtaposé avec du noir, hein, c'est toujours le principe du clair-obscur, que la couleur ressort encore plus vive et plus forte. Donc, dans toute la première partie des années 50, Soulages obtient un très grand succès à l'étranger. Dès 1949, il est inclus dans des expositions de groupes qui seront historiques aux États-Unis. Aux États-Unis, dans l'immédiat après-guerre, la peinture européenne fait encore foi.
C'est au cours des années 50 que la peinture américaine va un petit peu prendre son indépendance et s'affranchir de la tutelle et du joug de la peinture européenne. Mais à la toute fin des années 50, la peinture européenne est encore vue comme étant la référence à New York. Et tous les grands musées et toutes les grandes galeries organisent des expositions d'art européen. Et Soulages participe à la plupart de ces expositions, que ce soit au MoMA, au musée Guggenheim, avec Younger European Painters ou The New Decade. Il est inclus dans ces groupes. Il fait des expositions personnelles au Danemark, en Allemagne, où il a été connu grâce à l'exposition itinérante d'après-guerre. Il est invité au Biennale de Venise, de Sao Paulo, à la Documenta de Cassel. Et il va réellement créer sa renommée à l'étranger. Pour l'instant, en France, il n'a fait qu'une petite exposition personnelle en 1949 et il n'expose pas du tout pendant la première partie des années 50. Donc là, on voit encore une peinture où on a vraiment l'impression que cette peinture est rétroéclairée, qu'il y a de la lumière qui diffuse à travers cette structure noire. Et c'est un petit peu un effet qui nous fait penser à un vitrail. Et c'est d'autant plus intéressant que Soulages, 30 ou 40 ans plus tard, créera des vitraux. On en parlera un petit peu plus tard. En 57, il y a un événement important dans la peinture de Soulages, c'est qu'il va commencer à faire ce qu'on appelle le raclage, c'est-à-dire qu'il va peindre le fond de ses toiles d'une certaine couleur, déposer de la peinture noire par-dessus, puis racler cette peinture noire et refaire apparaître la couleur par transparence. Donc c'est relativement intéressant parce que c'est là vraiment que Soulages va commencer à se construire ses propres outils. Donc il va au départ utiliser des semelles à chaussures pour se faire des racloirs. Il va en même temps déposer la peinture avec ses outils et puis après l'enlever. Et il va développer tout un set d'outils qui lui sont propres et qui sont conçus par lui avec un but précis en tête. Donc on a encore ici donc toujours ce travail sur la lumière, sur la luminosité des couleurs où on fait apparaître par raclage donc la couleur sous-jacente et puis aussi il va retravailler sur les fluidités, c'est quelque chose sur la fluidité de la peinture, il va faire apparaître la lumière par la fluidité, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait avec le brou de noix et qu'il applique cette fois-ci à la peinture à l'huile. Alors la deuxième partie des années 50, c'est la consécration à l'étranger. Il rentre à la galerie de Samuel Coutts à New York. Samuel Coutts, d'ailleurs, finira par se séparer de ses artistes américains. Il avait des artistes américains de très bon standing, des gens comme Motherwell, et il fait rentrer Soulages et Mathieu dans sa galerie pour défendre leur peinture à New York. Donc il fera plusieurs expositions personnelles entre le milieu des années 50 et le milieu des années 60. Dans cette galerie. Et maintenant, je vous propose de parler un petit peu du processus de création qu'utilise Soulages. Alors, on sait qu'il est contre tout type de reproduction, et dans son processus de création, il est également contre le fait de penser sa peinture à l'avance. C'est-à-dire que pour lui, le moment de la réalisation et le moment de la création doivent être concomitants. Il dit, si j'ai une idée d'une peinture en tête et que j'essaie de la réaliser, je ne fais rien d'autre que reproduire l'idée que j'en ai en tête. Ça ne va pas, il faut que la création ait lieu en même temps que la réalisation. Il dit d'ailleurs une phrase très célèbre, il dit, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Donc, c'est une fois qu'il a réalisé la peinture qu'il comprend lui-même pourquoi il a fait ce type de peinture ou vers où il essaye d'aller, etc. Il n'arrive pas avec une idée prédéfinie. Et donc, ce qui est intéressant également, c'est la problématique de la simultanéité. C'est un principe qu'il défend dans toute son œuvre et qui prendra de plus en plus d'importance au fur et à mesure des années. C'est la simultanéité. Pour illustrer ça, Soulages raconte souvent une petite anecdote. Il était un soir avec des amis et il a proposé à tout le monde de dessiner un carré rouge. Donc, ses amis prennent un crayon, dessinent un carré, le colorient en rouge. Et donc tout le monde fait à peu près le même type de carré. Et puis Soulages se démarque de l'ensemble de ses amis parce qu'il va prendre une craie qu'il va appliquer de manière horizontale sur un tableau ou une feuille. Et puis il va la faire glisser. Et en un geste, il va créer le carré rouge. Donc en un geste, il va créer la forme, le carré, il va créer la couleur, il va créer la texture.
tout ça de manière simultanée. C'est un petit peu ce qu'il fait quand il fait des peintures. Et ben voilà, en enlevant ou en raclant sa peinture, en un geste, il va créer son signe, il va créer sa forme, et ça va apporter la couleur, ça va apporter la texture, l'épaisseur. Ces toiles sont des toiles où il y a beaucoup d'épaisseur de peinture. Et donc, en un seul geste, on a une œuvre qui est unifiée et tout advient en même temps. Et pour cela, il est hors de question de dessiner la forme et puis de coloriser et de décomposer une œuvre. Donc on arrive à la fin des années 50 et au début des années 60 où la plupart de ces œuvres ont une intensité, un magnétisme très très fort. Comme ce qu'on a vu, comme elles ne font référence à rien, donc on est directement confronté à la toile, l'impact est d'autant plus fort. On ne peut pas s'échapper de la toile, on ne peut pas s'échapper dans des choses que la toile évoquerait ou autre, parce que les toiles sont très opaques, donc elles sont à la fois très très mystérieuses, mais très très fortes, très intenses. Et donc, c'est quelque chose que Soulages va réussir, ce type de peinture, c'est quelque chose qu'il va réussir à faire pour le restant de sa carrière. Il est arrivé là à un sommet avec ses toiles des années 50. Il va réussir à reproduire ce type d'œuvre dans des domaines différents et avec des techniques encore très différentes. Alors, à la fin des années 50, il commence seulement à être reconnu en France. Il va faire une grande exposition à la Galerie de France en 1960. Et puis, il a le droit à sa première rétrospective à l'étranger, qui commence à Hanovre aussi en 1960. Mais il faudra qu'il attende la fin des années 60 pour avoir le droit à une rétrospective en France. Mais il commence à être reconnu à ce moment-là. Donc, après 6 ans de peinture raclée, il va abandonner la technique du raclage et il va rentrer dans ce qui, a posteriori, apparaît être un peu comme une période de transition au cours des années 60 et des années 70. C'est une période de transition qui lui permettra quand même d'être reconnu mondialement parce qu'il va avoir ses premières rétrospectives dans plusieurs musées pendant cette période-là et il va devenir un chef de file de la peinture à cette époque-là. Donc on avait déjà vu pendant les années 50 qu'on avait commencé avec des signes, des formes qui avaient des traits relativement d'à peu près une dizaine de centimètres de large et qu'au fur et à mesure des années 50, au fur et à mesure de l'évolution, Soulages se construisait des outils de plus en plus larges et que ces traits prenaient de l'épaisseur. C'est une tendance qui va continuer dans les années 60. Le noir va prendre de plus en plus de place sur la toile. Il va l'envahir presque totalement. Et une autre tendance, ça va être que Soulages va arriver à ses formes, non plus pas en faisant une espèce de grand signe ou de structure sur la toile, mais il va arriver à des formes en délimitant des surfaces. Donc il va travailler plus l'aspect surfacique au cours des années 60. On en voit un exemple ici en 1967. La matière va aussi être en retrait. Les peintures des années 60 sont beaucoup plus fluides. On avait énormément d'épaisseur et un gros travail sur la matière dans les années 50. Et là, on va se retirer avec une peinture beaucoup plus fluide et une absence d'épaisseur. En 1966, il y a une rétrospective à Houston qui est organisée par Sweeney, qui était l'ancien conservateur du MoMA, qui était un des premiers à avoir acheté une toile de Soulages à la fin des années 40. Et Soulages propose un accrochage original. C'est un accrochage qui est non linéaire, où il y a des toiles qui sont accrochées donc, au milieu des salles. Donc encore une fois, on se souvient que Soulages refuse la linéarité du trait, hein, qu'il n'a pas envie qu'on puisse recomposer la linéarité du trait. Ben, de la même manière, il refuse la linéarité d'une présentation. Il dit que si on a des tableaux qui sont accrochés sur un mur, eh bien forcément, ça induit un sens de parcours et ça induit un type de lecture de son œuvre. Il préfère mettre les œuvres en relation de manière non chronologique pour créer des résonances entre elles et puis pour laisser au spectateur la liberté de son parcours. Donc toujours une grande liberté pour le spectateur de vivre sa peinture de manière très très personnelle.
Et c'est des accrochages qu'il reprendra pendant toute, des types d'accrochages qu'il reprendra pendant toute sa carrière. Pour ceux qui ont vu la grande exposition à Beaubourg en fin d'année dernière, il y avait aussi plusieurs salles avec des œuvres accrochées au milieu des salles. Alors, plus le noir prend de la place sur la toile, plus les commentateurs et les analystes pensent que on va finir où on doit finir, c'est-à-dire vers un monochrome noir, et que Soulage tend vers le monochrome. Pour l'instant, il l'a toujours refusé, mais la peinture noire prend de plus en plus de place sur la toile, et Soulage ne franchit pas le pas. Au cours des années 60, il ne franchit pas le pas, il s'arrête juste avant l'étape du monochrome. Et c'est un petit peu une sorte de... On peut analyser ça un petit peu comme une sorte de contre-pied. Soulage a toujours défendu de manière très ferme son indépendance. Il n'a jamais voulu être rattaché à des courants. Il trouve que les courants ne sont pas intéressants parce qu'ils mettent l'accent sur les choses que les gens ont en commun. Or, il pense que ce qui est le plus important, c'est la partie personnelle d'un travail. Donc il dit, si on a tous ça en commun, c'est pas ça qui est intéressant dans nos travaux. Donc lui, il préfère se focaliser sur l'aspect individuel des peintures. Donc il n'a jamais voulu être raccroché à des courants, malgré des similitudes plastiques très très fortes avec l'expressionnisme abstrait, avec l'abstraction lyrique. Quand on lui dit « Monsieur, vous êtes un expressionnisme abstrait », il dit « Non, pas du tout, je ne suis pas un expressionniste abstrait, je ne veux pas parler de mes sentiments, je ne veux pas faire part de mes états d'âme ». Quand on lui dit « Vous êtes un action painter », il dit « Non, pas du tout, moi je ne veux pas laisser de traces, je ne suis pas intéressé par la trace, mais seulement par le tableau fini ». Quand on lui dit « Monsieur, vous êtes le peintre du noir », il dit « Non, pas du tout, moi je ne suis pas le peintre du noir, je suis le peintre de la lumière ». Donc il aime bien prendre les gens à contre-pied, ça plaît d'ailleurs beaucoup aux journalistes, parce que ça leur donne de la matière, et c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles il a été autant célébré. Mais quand on regarde factuellement, par exemple, une peinture de Motherwell, une élégie de Motherwell et puis une peinture de Soulage, il y a quand même un très très fort art de famille, et on peut faire ça avec plusieurs peintres de l'époque. Malgré la similitude plastique de ses œuvres, il a une place à part et il a le droit à une analyse de la part des historiens d'art et des critiques tout à fait à part. Il est toujours indépendant et il a toujours été vu comme un grand indépendant. D'ailleurs, il a déclaré récemment, « Si j'avais une leçon à tirer de ce que j'ai connu et fait, ce serait une leçon d'individualisme, même pas une leçon, une profession de foi. Rien ne se fait que de cette façon, en demeurant irréductiblement soi-même. » Voilà. Donc, Soulage va refuser le monochrome, alors que tout le monde lui prédit un avenir monochrome. Il refuse le monochrome, et puis il affine de nouveau ses signes, et puis il va faire des grands signes fluides au tournant des années 70. Donc le noir et blanc revient très très fort à la fin des années 60, et puis dans les années 70, il va repartir sur la couleur, il va réintroduire le bleu et puis faire des signes à base de bleu, et puis travailler des surfaces colorées. Je passe relativement rapidement parce que je voudrais passer plus de temps sur l'outre-noir et puis sur les gravures. Voilà, donc on arrive à l'outre-noir. Donc en 1979, il y a un événement majeur dans la carrière de Pierre Soulage, il invente l'outre-noir. Donc l'outre-noir, ce sont ces peintures noires sur lesquelles se reflète la lumière. Il y a eu en 1977 un petit précédent, il a créé trois bronzes, qui étaient exposés d'ailleurs à l'exposition de Strasbourg, et c'est un petit peu l'apparition dans son œuvre d'un nouveau mécanisme pour travailler la lumière. Dans les années 50, lorsqu'il travaillait la lumière, il travaillait la lumière avec des moyens picturaux. Il créait quelque part l'illusion de la lumière. C'était des techniques de peinture qui faisaient ressortir la lumière, qui donnaient l'impression de lumière dans ses toiles. À partir de la fin des années 70, il va directement intégrer la lumière dans ses œuvres. C'est-à-dire que la lumière va faire partie de ses œuvres. Il va révéler les propriétés de la lumière, soit par réflexion, soit par diffusion, mais la lumière va faire l'entrée directement dans les œuvres de Soulage. Donc les bronzes, ça a été un essai qui n'a pas eu de suite. Il y a eu trois œuvres réalisées en 1977. Et puis à partir de 1979, c'est ce fameux outre-noir. Donc on voit ces peintures outre-noir. Ces peintures outre-noir, c'est rien d'autre que de la peinture noire avec un travail de la surface sur laquelle la lumière va se refléter de manière différente. Donc on voit des stries,
la lumière va accrocher sur les arêtes et puis va être capturée dans les creux. Et quand on regarde la toile, eh ben on voit du noir et blanc. En fonction du type de lumière, si on a une lumière chaude au coucher du soleil, etc., on va avoir des reflets qui vont être un petit peu mordorés et qui vont refléter la lumière. Donc Soulages a inventé le terme d'outre-noir pour dire que ce n'est pas du noir, on est au-delà du noir, hein, de la même manière qu'on est outre-Manche ou outre-Rhin, on va plus loin que le noir et le noir par contraste, encore une fois, c'est par le noir qu'on va atteindre la lumière. Alors il raconte cette nuit de 1979 pendant laquelle il a eu la révélation, c'est devenu une légende, donc je vous lis un de ses récits, il dit « C'est arrivé par hasard, j'étais en train de faire quelque chose que je n'aimais pas et j'étais malheureux. Cela a duré des heures, je n'en pouvais plus, je ne savais que faire, mais il devait y avoir là quelque chose de particulier dont je n'étais pas conscient, puisque je continuais. Alors je me suis dit, je ne suis pas masochiste, pourquoi est-ce que je continue? Et je suis allé dormir. Quand je me suis réveillé, je suis revenu voir ce que j'avais fait. J'ai vu un autre fonctionnement de la peinture. C'était une peinture qui ne reposait plus sur des accords ou des contrastes de couleurs ou de noir et blanc. Ce n'était pas le noir non plus, c'était les reflets sur le noir qui m'intéressaient. » Donc, cette nuit-là est devenue mythique. Malheureusement, il a détruit la toile qu'il a réalisée lors de la première nuit, mais il en a fait d'autres juste derrière. Et donc, une des grandes particularités de ces peintures, c'est qu'en fonction de l'angle de vue du spectateur, les peintures changent entièrement. La lumière ne va pas accrocher les mêmes stries et ne va pas se refléter de la même manière en fonction de l'angle de vue. Donc, quand on se déplace devant une toile de Soulages, on a la toile qui miroite et puis qui change d'aspect. Alors une des grandes raisons d'être de ces toiles, c'est d'interagir avec leur environnement. Et ce sont des toiles qui sont tout le temps parfaitement intégrées à leur environnement, parce que contrairement à des peintures classiques qu'on cherche à préserver des reflets, les toiles de Soulages, au contraire, on cherche à les confronter à des reflets et à leur apporter des sources de lumière différentes, changeantes, qui varient. Et elles vont toujours avoir quelque chose à donner, elles vont toujours pouvoir délivrer une partie d'elles-mêmes, quel que soit le type d'éclairage, quel que soit le type d'endroit dans lequel elles sont accrochées. En fonction, si elles sont exposées à la lumière du jour, avec la lumière du matin, la lumière du midi, la lumière du soir, elles changent. Lumière d'hiver, lumière d'été, elles changent. À tout type de lumière artificielle, elles ont un comportement différent. Ce qui est très intéressant aussi, c'est l'espace qu'elles définissent. Ces toiles ne peuvent pas s'envisager de manière autonome. Elles sont forcément liées à l'espace qu'elles définissent. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de cet espace pour pouvoir recevoir la lumière et puis pour pouvoir la reprojeter vers le spectateur. Donc la toile va être différente à chaque fois qu'elle va changer d'espace, à chaque fois qu'elle va changer de lieu d'accrochage, la toile va être différente. Elle ne peut plus être distinguée de son environnement. Elle forme un binôme avec son environnement qui la définit. Son environnement la définit autant qu'elle définit son environnement. Alors, un autre aspect intéressant, c'est que dans une toile classique, un clair-obscur, une toile des années 50, on a des parties de la toile qui sont foncées et d'autres parties qui sont claires. Ici, c'est le même point de la toile qui va être tour à tour le point foncé ou le point lumineux. Donc on revient un petit peu, on a un petit peu un équivalent avec ce qui s'est passé avec les peintures all over, par exemple de Jackson Pollock lors de l'après-guerre. C'est que dans ces peintures all over, on avait tous les points de la surface qui arrivaient à valeur égale. Tous les points de la surface avaient une valeur égale. Dans une peinture classique, les points de la surface n'ont pas une valeur égale. Il y en a qui sont mis en avant, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Dans ces toiles outre-noires, on est de nouveau face à des toiles où tous les points ont des valeurs égales. Et là, non seulement une valeur égale, mais une valeur qui peut être changeante. Chaque point peut être tour à tour noir ou lumineux. Donc on a bien sûr une vibration, une évolutivité de ces tableaux qu'on ne peut vivre, encore une fois, qu'au présent. C'est en étant face à ce tableau à un moment donné, dans un type de condition donnée, qu'on peut établir une relation avec ce tableau. Le tableau ne peut se vivre qu'au présent, et ne se vit d'ailleurs qu'au présent, en fonction des conditions du moment.
Alors, il y a un terme qui a été utilisé par Pierre Encrevé, qui est un des grands spécialistes de Soulages. C'est le terme monopigmentaire, parce que donc en 1979, il y a une toile qui est celle-ci, la toile du 14 avril, qui est une toile historique, parce que c'est la première fois qu'il y a envahissement total de la toile par la peinture noire. Donc les gens ont commencé par dire, bah, ça y est, Soulages a fait son monochrome, et Pierre Encrevé réplique, non, Soulages n'a pas fait son monochrome, cette toile n'est pas monochrome, quand on la regarde, il y a du noir, il y a du blanc, il y a plusieurs types de couleurs, mais par contre, il n'y a effectivement qu'un seul type de peinture, c'est que de la peinture noire. Donc il faut appeler ces toiles des toiles monopigmentaires et non pas des toiles monochromes. Ça, c'est pour la petite anecdote. Mais ceci étant dit, c'est vrai, ces toiles ne sont pas noires. Elles sont le plus souvent noires et blanches. Et donc directement à la fin de l'année 79, Soulages expose ses outres noires à Beaubourg, dans une exposition qui est devenue mythique depuis. Donc là on voit les premiers outres noires, il y avait encore des coins qui étaient libres de peinture noire, et puis ça c'est la toile du 14 avril, qui est donc la première toile entièrement recouverte de peinture noire. Et puis après, dans les années 80, Soulages va se livrer corps et âme à l'outre noir, et à quelques exceptions près, à quelques périodes près, il ne va plus que faire, quasiment plus que faire de l'outre noir depuis 1979. Donc une manière très très intéressante de présenter les toiles outre noir, pour bien montrer qu'il s'agit plus de lumière que de noir, c'est de les présenter sur fond noir dans une salle noire. Et pour ceux d'entre vous qui étaient à Beaubourg, il y avait une salle noire. Et c'est là qu'on prend conscience que ces toiles ne sont pas noires du tout, parce que les murs sont noirs, mais les toiles sont très... Bon, là, ce ne sont que des photos, mais les toiles respirent la lumière. Alors, je voudrais passer à Conques, parce que c'est l'abbatiale de Conques pour laquelle le Soulages a réalisé les vitraux. Ça a fait beaucoup rire les gens dans les années 80 lorsque les agences gouvernementales ont passé commande des vitraux de l'abbatiale à Pierre Soulages, parce que tout le monde voyait des vitraux noirs, donc tout le monde rigolait. Et Pierre Soulages a encore une fois appréhendé cette commande avec un œil, avec un angle tout à fait intéressant. Il est revenu à la base, il s'est dit, bon, on m'a demandé des vitraux. C'est quoi un vitrail ? Un vitrail, c'est du verre qui filtre la lumière. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est la lumière. Ce n'est pas le verre ou autre. Donc, je vais travailler sur le verre. Et mon travail va consister à travailler sur le verre. Je ne vais pas faire une aquarelle ou un schéma d'un dessin qu'on va essayer de retranscrire. Je vais travailler sur le verre. Ma matière, ça va être le verre. Donc, Soulages a passé plusieurs années à créer un verre particulier pour faire ses vitraux et pour rendre hommage à l'abbatiale de Conques. Alors, la légende dit que c'est à l'abbatiale de Conques que, tout jeune, Soulages a eu la révélation qu'il voulait devenir artiste. Donc, c'est un lieu qui lui est cher, qu'il avait visité en étant enfant et qui rattache à sa vocation. Et donc, encore une fois, le but de Soulages, ça va être de magnifier la lumière, de mettre en avant ses caractéristiques propres et surtout pas de lui imposer quelque chose. Donc pour Soulages, il est hors de question de faire un verre coloré, parce que le verre coloré va biaiser la qualité intrinsèque de la lumière. Donc on le voit là faire des essais, donc il fait des essais avec plusieurs maîtres verriers, avec plusieurs ateliers. Il va finir par concevoir un verre incolore, justement pour ne pas interférer avec la lumière, qui va être un mélange d'un verre transparent et d'un autre verre cristallisé qui est opaque. Donc ça va être un verre translucide, et en fonction de la densité des grains opaques, il va plus ou moins laisser diffuser la lumière. Donc là, on voit certains des vitraux de l'intérieur, et les deux photos que vous avez à droite, c'est le même vitrail à deux moments différents de la journée. Donc celui-ci, c'est l'après-midi, enfin certainement le soir au soleil couchant, et l'autre, c'est avec une lumière du matin. Donc c'est le même vitrail au même endroit, avec deux types de lumière qui vont révéler la qualité intrinsèque de la lumière ce jour-là. Voilà, donc là, on a une vue extérieure de ces mêmes vitraux. Et donc encore, donc voilà, c'est le respect pour les matériaux, le respect pour les lieux,
qui préside à la démarche, à la démarche de Soulages. Alors on revient un petit peu à nos toiles outre-noires, avec une question qui taraude Soulages depuis bien longtemps, c'est la question de la simultanéité. Donc on a vu que quand il crée de manière simultanée les différents éléments du tableau. Et donc la simultanéité va prendre de plus en plus d'importance dans l'œuvre de Soulages. Donc à partir de l'outre-noir, bah, toutes ces toiles sont basées sur un dialogue entre les parties striées et les parties lisses. Donc on a les parties striées qui vont accrocher la lumière, les parties lisses qui vont la refléter de manière un petit peu différente, le plus souvent de manière moins forte. Donc il va faire dialoguer ces différentes textures. Il va aussi utiliser ce qu'il appelle des polyptiques, donc des toiles en plusieurs panneaux, qu'ils soient accrochés les uns aux autres ou qu'ils soient espacés, où il va mettre... où il va faire dialoguer ou se confronter plusieurs types de peintures. Donc là, on voit un panneau bleu hein, qui reprend un petit peu les grandes surfaces colorées qu'il faisait dans les années 70 avec un panneau outre-noir, pour ce qui peut a priori apparaître comme une confrontation à première vue, mais qui crée un dialogue entre ces deux types de peintures. Ici, on a encore une fois le type de toile qu'il faisait dans les années 70 avec des panneaux outre-noir. Ici, on a un panneau entièrement lisse et puis un panneau strié. Une autre manière pour lui de créer la simultanéité, c'est de briser ce qu'il appelle la continuité des surfaces. Donc, par exemple, ici, on a un tableau avec uniquement des stries, toujours orientées de la même manière, mais par contre, on a une brisure, c'est encore un polyptyque, c'est deux panneaux différents. Donc, on va introduire... une rupture de continuité et faire dialoguer deux panneaux à la matière identique. Ici, on va briser ces sillons en coupant la toile en trois parties. Alors, il le fait avec des polyptiques, mais il le fait aussi sans polyptiques. Ici, on a une espèce de ligne striée qui va couper la toile en deux. Ici, on a des sillons directement dans la peinture. Ce ne sont plus des séparations avec des panneaux différents. Ce sont des sillons qui sont directement tracés dans la peinture pour briser la continuité. Il n'aime pas la continuité de la ligne, il n'aime pas la continuité des surfaces non plus. Et peut-être que son travail le plus intéressant sur la simultanéité, c'est son travail avec les formats longs. On se souvient que Soulages n'aime pas la lecture linéaire, or les formats horizontaux, a priori, ils appellent à une lecture linéaire. Ils appellent à ce qu'on les balaye de gauche à droite pour les appréhender. Là, on a une toile qui fait 7 mètres de long, donc qui est énorme. Et paradoxalement, c'est par ce format long que Soulages va atteindre un degré de simultanéité encore supérieur. C'est-à-dire qu'avec une toile outre-noir classique, il va falloir se déplacer devant la toile pour pouvoir l'appréhender sous tous ses angles. Avec une toile longue, il suffit de se mettre au milieu, et on arrive à voir la toile en même temps, sous un angle vers la gauche et sous un angle vers la droite. Donc en un seul coup d'œil, on arrive à appréhender la totalité de la toile et la totalité de ses angles de vue en une seule fois. Donc en utilisant un format paradoxalement qui appelle à une lecture linéaire, il arrive à renforcer le concept de simultanéité. Un autre de ces axes de travail pour la simultanéité, ça a été les grands polyptiques de 1985, où il va superposer comme ça quatre panneaux similaires. Alors il a beaucoup travaillé sur le nombre de panneaux qu'il devait utiliser, et il s'est arrêté sur quatre parce qu'il a fait des essais à trois, et à trois, il dit, à trois ou à cinq, il y a un panneau qui ressort, il y a un panneau central qui est entouré par d'autres panneaux, il y a quelque chose qui ressort. À 4, il arrive à obtenir un équilibre où aucun des panneaux n'a plus de valeur que les autres. Il faut que tous les panneaux aient la même valeur. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui ressorte et qui soit plus fort que le reste. Enfin, un autre type de dialogue qu'il instaure dans ses œuvres, c'est le dialogue entre l'outre-noir et la couleur, et principalement le bleu. Alors, c'est une partie très méconnue de l'œuvre de Soulages, mais il y a à peu près un tiers de ces toiles outre-noir qui sont en fait des toiles qui marient du bleu et de l'outre-noir.
Donc ça vient des reflets du ciel et de la mer dans une de ses peintures dans sa maison à Sète. Il a une maison à Sète et il a une peinture outre noir qui fait face à la baie vitrée. Et il voit des reflets bleus dans cette peinture. Et il trouve que c'est intéressant, donc il essaye de développer le thème en incluant du vrai bleu dans ses toiles. Voilà, donc on va finir cette partie, la partie de l'outre noir. Ce qui contribue probablement à cet aspect un petit peu impénétrable, à la force des toiles de Soulages, c'est probablement l'équilibre qu'il y a entre les aspects géométriques et les aspects plus lyriques. C'est-à-dire que contrairement, il n'est pas dans une veine entièrement lyrique. On voit dans l'outre noir, il y a quand même de la composition, mais c'est jamais du purement géométrique non plus. Donc cet équilibre savant entre ces deux aspects font qu'on est en même temps dans un lyrisme, mais en même temps dans quelque chose de contenu, qui ne va pas s'épancher, mais qui va être au contraire plus retenu et qui va en gagner un petit peu en force et en mystère aussi, et en solennité. Alors on rentre dans la période qu'on peut qualifier de période actuelle de l'œuvre de Soulages. La première partie, c'est dans les années 90, il continue à travailler l'outre noir et il va essayer de ne plus parasiter l'outre noir avec des formes. C'est-à-dire que ce qu'il faisait dans les années 80, c'était ça, des formes géométriques, des choses comme ça. Il va essayer d'aller vers un outre noir pur où il n'y a plus que la lumière et les reflets de cette lumière et ces vibrations lumineuses qui parlent. Donc il va tendre vers des toiles qui n'ont plus aucune forme et qui laissent les vibrations lumineuses s'exprimer sans aucune interférence. Donc on va vers la forme, en un mot. Il y a eu une évolution technique très importante à la fin des années 90, c'est l'introduction de l'acrylique dans la peinture de Soulages. Avec l'acrylique, il a réussi à obtenir beaucoup plus de variété dans la matité et la brillance des surfaces. Donc il a fait beaucoup de toiles où il y a des surfaces noires, mais des surfaces brillantes, des surfaces mates, qui dialoguent comme ça les unes avec les autres. Il continue toujours à faire beaucoup de brous de noir, je vous mets quelques exemples. Et puis, avec la forme, la deuxième grande tendance de la peinture actuelle de Soulages, c'est l'épanouissement du trait. Alors on se souvient que le trait, il n'aimait pas du tout, parce que le trait impliquait une continuité, impliquait qu'on était capable de retracer son parcours. Alors il commence par faire ce type de peinture, des peintures noires et blancs. C'est les premières peintures qui n'étaient pas des peintures outre-noires monopigmentaires depuis une quinzaine d'années. Et en fait, il va faire des traits, mais sans les tracer. Il va appliquer la peinture noire un petit peu comme un tampon. Donc, il n'y a pas de geste, il n'y a pas de traçage. On tamponne. On a des traits qui sont un petit peu effilochés, comme ça, donc qui n'ont pas une linéarité très forte. Il va réussir à s'affranchir de cette linéarité du trait qui l'embête, tout en permettant à des traits de faire leur apparition sur la toile. Alors c'est vrai que les traits, depuis quelques années, étaient devenus importants dans l'œuvre de Soulages. Ils étaient devenus importants en tant que séparateurs de surface. Et puis, au sein des stries, les stries, c'est quand même un ensemble de traits, même si c'est des traits très très fins. Ces stries devenaient en plus de plus en plus larges. Et donc, les traits revenaient en force dans l'œuvre de Soulages. Avec le noir acrylique, le noir acrylique peut être beaucoup plus profond, il sèche beaucoup plus rapidement que l'huile. Si on regarde toutes les toiles de Soulages, qui sont outre-noires, qui sont pourtant des toiles dans lesquelles l'effet de matière est très très fort, l'épaisseur de peinture est très fine, les toiles des années 80. Il obtient ses stries, mais sur une épaisseur de peinture très très fine. Et donc cette épaisseur de peinture très très fine l'empêche, par exemple, de creuser des sillons très profonds. Quand il passe à l'acrylique, il va avoir une peinture qui sèche beaucoup plus rapidement, sur laquelle il peut se permettre de très grosses épaisseurs, donc il va pouvoir creuser des sillons de plus en plus profonds. Et grâce à l'acrylique, le sillon va pouvoir
vivre, se développer, s'élargir, s'épaissir. Et va donc pouvoir pleinement s'exprimer. Mais le problème de Soulages, c'est toujours de combattre cette linéarité à ce moment-là. Et il va réussir à combattre cette linéarité tout simplement en dupliquant les traits. Donc en saturant la toile de traits, ben, on n'est plus capable de reconstituer l'ordre de la création. Ça redevient une image frontale, un ensemble de traits. Les traits sont souvent des constituants unitaires de surface, hein, comme on l'a vu sur cette slide-là. On a des surfaces constituées de traits, donc ça devient un constituant de la surface. Et donc le trait va prendre un petit peu son essor dans l'œuvre de Soulages et va enfin arriver à exister, alors qu'il l'a combattu pendant des années et des années, il va enfin arriver à exister par lui-même, pour lui-même, dans des toiles magnifiques. Là, on a ces dernières toiles, hein, les toiles de 2008, où on voit par exemple, ici, donc on a ces petits traits, donc hein, c'est la peinture qui est raclée, et il va la racler avec un angle différent, c'est-à-dire qu'ici, il va mettre son outil comme ça, et puis là, il va mettre son outil comme ça. Donc les surfaces à l'intérieur des traits vont être orientées différemment, et on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, on a des surfaces qui sont très éclairées, et là, on a une bande noire qui traverse la toile, parce que les sillons ont été faits sous un angle opposé. Voilà, et enfin on arrive à des toiles de 2008 où le trait peut enfin s'assumer, être tout seul. Donc là on a un rapport entre ben, un espèce de noir gris très, très lumineux qui est à la fois dans le trait ici et puis un noir beaucoup plus opaque. Au bout de 60 ans de carrière, le trait a le droit de citer dans l'œuvre de Soulages. Ah, donc là, ça conclut la partie sur la peinture. On va essayer de passer les dernières minutes qui nous restent avec la gravure, les eaux-fortes, donc qui ont été exposées à Strasbourg récemment. Alors juste une petite explication pour ceux qui ne sont pas familiers avec la gravure. Il y a deux types de gravures. Il y a une gravure de type tampon dans laquelle on va mettre de la peinture sur les reliefs. Donc là, c'est typiquement la linogravure, par exemple, ou la gravure sur bois, où on va creuser des plaques de bois et laisser des reliefs. On va ancrer la plaque de bois et imprimer comme un tampon. Et puis on a les gravures en taille douce où on creuse une surface et où la peinture, l'encre va se loger dans les creux et on va imprimer sur du papier. Le papier va aller chercher l'encre dans les creux et on va imprimer dans les creux. Donc Soulages pratique l'eau-fort. L'eau-fort, c'est tout simplement une gravure en taille douce dans laquelle, au lieu de creuser mécaniquement sa plaque, on va laisser l'acide creuser la plaque. Donc on va protéger certaines surfaces de la plaque avec des résines. Pour que l'acide creuse aux endroits qu'on a définis, aux endroits où il n'y a pas de résine. Et puis après, on va ancrer sa plaque, mettre de la peinture, l'essuyer pour que la peinture reste uniquement dans les creux, et puis imprimer la plaque contre du papier. Donc Soulages commence à faire de la gravure au début des années 50, et il commence un petit peu, comme la plupart des peintres, à faire des gravures d'interprétation. Donc là, on a une œuvre sur toile de Soulages, et puis sa gravure, c'est rien d'autre qu'une interprétation de sa toile. Mais très très vite, il travaille la technique et il va créer des choses totalement inédites dans l'histoire de la gravure. Il va par exemple inventer la plaque trouée et la plaque découpée. Avant Soulages, en gravure, on avait une plaque de zinc ou de cuivre, qui était une plaque par définition rectangle. On dessinait ce qu'on avait à dessiner dessus et on imprimait l'ensemble de la plaque. La plaque laissait donc une empreinte rectangle dans le papier et le dessin était au centre. Soulages, un jour, par accident, laisse sa plaque tellement longtemps dans le bain d'acide que la plaque est trouée. Et il va utiliser cet accident
Donc il essaye quand même d'imprimer ça, d'imprimer la plaque, et il se rend compte qu'à l'endroit où la plaque est trouée, eh ben, que le papier n'est pas comprimé. Bien sûr, il n'y a plus rien pour comprimer le papier. Donc le papier garde son grain de papier. Il n'est plus du tout, quand il a été passé sous presse, le papier est totalement écrasé et il perd son grain. Il est très très intéressé par ça. Encore une fois, on a un contraste entre du blanc très fort et du noir très fort, parce que c'est à l'endroit où la plaque est la plus profonde, qu'on a le noir le plus profond, qu'on a la plus grosse épaisseur de peinture noire qui rentre dans les creux, et par le noir, Soulages va creuser sa plaque et va faire apparaître le blanc du papier. Donc il commence non seulement à permettre à ces plaques d'être trouées, mais aussi à les découper, à leur donner des formes original. Donc là, on a des gravures où on n'a plus du tout, si je reviens avant, on va peut-être voir. Ici, bon, on a la plaque hein, qui est rectangulaire. Ici, on n'a plus du tout d'empreinte rectangulaire. La plaque a la forme découpée et va être imprimée. Alors, un des grands intérêts de la plaque découpée, c'est que le papier va passer de support à, ça n'est plus un simple support, ça va devenir une partie intégrante de l'œuvre, ça va devenir un des matériaux de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'est plus écrasé, il a toute sa pulpe, tous ses grains, et donc il va faire partie intégrante de l'œuvre, il va dialoguer avec l'encre, avec la peinture. Et donc ça a été une des grandes inventions de Soulages. Une deuxième invention de Soulages, ça a été l'ancrage au rouleau. Donc, dans les creux de la plaque, il y a la peinture noire. Et puis, Soulages, par-dessus, va passer au rouleau une couleur mordorée, donc une couleur ici rougeâtre, et va imprimer en un seul passage. D'habitude, à l'époque, quand on voulait faire plusieurs couleurs en gravure, on faisait plusieurs passages sous presse, un passage par couleur. Donc, on superposait les formes, on calait les formes pour avoir le jaune où on voulait, le rouge où on voulait, etc. Puis, on faisait un passage au jaune, un passage au rouge. Là, Soulages, toujours avec ce fameux principe de simultanéité dans la création, il va mettre son encre noire dans les creux, il va passer au rouleau de l'encre rouge, et en un seul passage sous presse, il va obtenir l'œuvre de manière simultanée. En un coup, on obtient toute la couleur. Et donc, il obtient des dégradés très très intéressants dans ces couleurs, en fonction de la densité de points noirs qu'il y a dans ces rouges. La troisième grande avancée de la gravure, c'est qu'il va se libérer de ces formes. Les eaux-fortes qu'on a vues là jusqu'à présent, c'était des eaux-fortes qui reprenaient des formes, de structures, de signes qui existaient un petit peu dans ces peintures. Hein. On pouvait voir dans ces eaux-fortes-là, on peut voir le type de structure que Soulages peignait avec des coups de pinceau, comme ça, et on peut un petit peu reconstituer les coups de pinceau. Puis il va s'affranchir, il va arriver à des formes qui vont être totalement libérées et totalement indépendantes des formes qu'il obtenait en peinture. Donc plus il avance et plus il va arriver à quelque chose qui est totalement spécifique à la technique de la gravure et aux matériaux qu'il utilise. Alors il explique que quand il travaille comme ça, c'est une interaction entre lui et l'acide. Donc c'est lui qui prend des décisions. Mais il y a une interaction entre lui et l'acide. De temps en temps, il y a des hasards qu'il accepte, des hasards qu'il essaye de contrôler. De temps en temps, il dirige l'acide. De temps en temps, il se fait diriger par l'acide. Il dit une phrase, il dit « Je laissais l'acide inventer sur des propositions que je lui faisais. » Et il dit aussi « Quelquefois, l'effacement d'une intention est quelque chose de productif, souvent plus que l'intention affirmée et développée. » Donc, encore une fois, on a Soulages qui est en train de respecter ses matériaux, de respecter sa technique et d'essayer de créer quelque chose qui est propre à sa technique. C'est-à-dire que ce genre de gravure, on ne peut pas faire ça en peinture. C'est grâce à la technique propre de la gravure qu'on arrive à obtenir ce genre d'œuvre, ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on essaye de faire des œuvres d'interprétation où on essaye au plus près de recréer quelque chose qui existe en peinture. Donc c'est un peu une facette de la gravure que Soulages va libérer, il va permettre à cette technique de s'exprimer pleinement en utilisant ses caractéristiques propres.
Voilà, il invente aussi des formes très particulières, des formes de haches qui n'ont à cette époque pas encore d'équivalent dans sa peinture. Il les met aussi toujours en relation, en résonance avec du noir, par exemple, pour créer ce dialogue. Et la conclusion, c'est que la gravure a été utilisée comme source d'inspiration pour la peinture. Il a fait, par exemple, ses premiers polyptiques à espacement en gravure, qu'il a ensuite traduit dans sa peinture. Il a fait ses premières formes de haches en gravure, qui se sont ensuite retrouvées dans sa peinture pour Soulages. Il n'y a pas de hiérarchie entre les techniques. Chaque œuvre est une œuvre à part entière, différente, mais il n'établit pas lui-même de hiérarchie en disant la peinture, c'est la technique noble, et puis la gravure, c'est une technique moins noble. Voilà. Voilà, on arrive à la conclusion avec trois jolies toiles de la fin des années 50. Alors les grands thèmes hein, qui irriguent un petit peu toute l'œuvre de Soulages, hein, c'est des préoccupations qu'il a eues depuis le début et qu'il continue à avoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est bien sûr le travail sur la lumière qui est omniprésent dans son œuvre. C'est ce concept de la présence de l'œuvre qui définit un petit peu sa manière à lui de voir une œuvre d'art et sa définition de ce que doit être une œuvre d'art, ça doit être une présence. C'est son rapport avec les outils et les matériaux et son respect pour les outils et les matériaux qu'il emploie, avec toujours ce désir de créer quelque chose qui est propre aux matériaux et de ne pas imposer quelque chose aux matériaux qu'il utilise. Et enfin, le principe de la simultanéité qui a une importance capitale tout au long de sa carrière et particulièrement sur les 30 dernières années. Alors, si on veut retenir en gros, quelques points importants sur Soulages, hein, c'est que ben, toute sa carrière a été lancée à l'étranger. Hein, la France l'a adopté une fois qu'il était reconnu au niveau mondial. Il a toujours marqué une très très grande indépendance envers tous les courants artistiques. Il a toujours eu cette permanence dans ses préoccupations artistiques. On vient de le dire, le grand respect pour les matériaux. Il faut retenir une date, c'est 1979 et l'apparition de l'Outre Noir. Et aussi une légende savamment entretenue. Hein. Soulages, et c'est très très rare, Soulages est son propre théoricien. C'est-à-dire que quand on lit, il y a une littérature très 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 abondante sur Soulages, mais Soulages est à l'origine de 90% de ce qui est écrit sur lui. C'est-à-dire que c'est sa propre analyse, c'est les éléments qu'il divulgue en interview qui forment la base de toute l'analyse critique de l'œuvre de Soulages. C'est très très rare. D'habitude, il y a toujours des historiens d'art ou des gens qui contribuent de manière forte à l'analyse d'une œuvre chez Soulages. Pourquoi, je ne sais pas, mais peut-être parce que ce qu'il livre est relativement riche. Mais en tout cas, c'est lui son propre théoricien. Il y a encore eu personne qui a élaboré des théories sur l'œuvre de Soulages qui soient indépendantes de ce que Soulages a dit et a fait. Et donc il entretient sa légende, il y a toute une série d'anecdotes qu'on retrouve absolument partout dans toute la littérature et qui permettent de conforter un petit peu cette fameuse légende Soulages. Alors un petit zoom sur le marché de l'art, ça peut peut-être intéresser certains. Soulages est le deuxième artiste français vivant le plus cher, hein, le premier étant Louise Bourgeois. Ses toiles ben, sont aux alentours du million d'euros de manière très très régulière, que ce soit en vente publique ou en galerie. Hein. Le record c'est décembre 2007, 1,31 million, c'est cette peinture-ci. Là. Très forte augmentation des prix sur les dernières années. Et puis on peut acquérir une eau-forte aux alentours de 4000 euros. Où voir Soulages ? En France, c'est au musée Fabre de Montpellier. Soulages a fait une donation d'une vingtaine de toiles au musée Fabre qui a créé 5 salles spécialement dédiées à Soulages. Là, vous avez des photos du musée Fabre de Montpellier. C'est vraiment 5 salles extraordinaires. À Pompidou, il y a toujours en général une salle qui est consacrée à Soulages. Bon, ça change
avec les accrochages, mais il y a toujours en général une salle qui est consacrée à Soulages. Au musée d'art moderne de la ville de Paris, ils ont quelques belles toiles. En province, c'est à Saint-Étienne, à Grenoble et à Toulouse qu'il y a des ensembles de toiles qui valent le coup. Et il y aura bien entendu le futur musée Soulages à Rodez qui sera consacré à l'œuvre imprimée, à toutes les archives de Soulages et aux vitraux de Conques et à tous les travaux préparatoires et à toutes les archives sur les vitraux de Conques. Conques est pas loin de Rodez. Et enfin, l'abbaye de Conques pour voir ses vitraux en vrai. Une petite bibliographie rapide. Il y a deux catalogues raisonnés, un de l'œuvre peint. Donc il y a trois tomes. Le tome 2 est indisponible. Les autres tomes sont encore disponibles à 73 € par tome. L'œuvre imprimée, ben maintenant, le livre qui est à jour, c'est le catalogue du MAMX, qui contient l'intégralité de l'œuvre imprimée de Pierre Soulages. Et moi, ce que je vous conseille, si vous voulez un bouquin pour rentrer dans l'œuvre de Soulages, c'est un bouquin qui est très bien fait. C'est Soulages au-delà du noir par Russell Connor, qui est un peintre américain très très classique et qui a écrit un bouquin sur Soulages. Et c'est bien fait, il y a l'essentiel. Et c'est un joli livre. Voilà, si vous avez des questions. J'avais quand même une question. Pourquoi les peintures sont toujours bien datées et qu'il y a les dimensions, par contre, dans les photographies, il y a bien une photographie. C'est impressionnant de fait, parce que vous avez démarré en disant pour celui qui vient de manger, qui choisit. Alors, pourquoi oui. Il y a tous ces choix qui n'ont pas cet outil qui détermine. On n'a plus la taille, et par contre, il y a une numération bien précise et l'année. Par contre, dans les peintures, on a toujours une date très bien très précise, hein, oui. 22 avril. C'est vrai, c'est vrai. Pour tout ce qui est œuvres sur papier, hein, pour les Broudenois, il y a effectivement juste l'année et un numéro. Et puis pour les œuvres, l'œuvre imprimée, c'est également pareil. Hein. C'est au fort numéro 1, 2 jusqu'à 40. C'est 1, 2, 3, 4. Oui, tout à fait. Pourquoi, je ne sais pas. Oui. Oui, ça c'est sa signature. Alors sur toutes les, dans les œuvres imprimées, il y a des tirages. Hein. Par exemple, on va tirer à 100 exemplaires une gravure. Donc l'artiste signe lui-même les 100 exemplaires qui sont numérotés. Et puis il y a quelques épreuves d'artistes qui accompagnent le tirage, qui sont des épreuves pour l'artiste qui peut remettre à ses amis ou faire. Donc là, je pense que en général, les épreuves qui sont présentées dans les expositions, elles viennent de la collection de l'artiste, donc c'est des épreuves d'artistes. C'est pas les épreuves numérotées. Les épreuves numérotées sont mises sur le marché. Et mais ce choix, il était, je veux dire, pourquoi il a choisi de donner une taille au peinture et ne pas donner la taille. Ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pour les peintures, effectivement, il donne la taille et l'année et pas pour les autres, pas pour les autres œuvres. Je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'au début, Soulages ne devait pas numéroter ses eaux-fortes, parce que dans les premiers catalogues de ses eaux-fortes, les eaux-fortes n'avaient pas de nom. Elles ont été numérotées en 1974 à l'occasion du premier catalogue raisonné qui a été réalisé, elles ont été numérotées a posteriori. Mais ceci étant dit, on connaissait quand même l'année du tirage, et puis les dimensions, on aurait pu les rajouter. Alors je ne sais pas si c'est une décision de la personne qui a réalisé le catalogue, ou si ce sont des décisions de Soulages, mais c'est vrai pour toutes ces œuvres sur papier, pour tous ces brous de noix. Il n'y a même pas les dimensions. Non. Tout à fait. Et l'année. Par contre, dans ces peintures, il y a la date. Les peintures, c'est toujours sous ce format, hein. C'est peinture, dimension et date. Et les toiles sont signées ? Alors, Au début de sa carrière, elles étaient signées à même la toile. Hein. On avait dans un coin une signature de manière classique. Et puis, effectivement, il a abandonné ça au milieu de sa carrière et elles sont signées au dos. Au début des années 60. Alors, sa première rétrospective en France, c'est en 67 au Musée national d'art moderne. Et à partir du début des années 60, il a fait des expositions régulières à la Galerie de France et il a été reconnu. Mais à cette époque-là, il était déjà au MoMA, il était déjà dans tous les musées américains. Parce que dans les années 50, il a exposé, il a fait toutes ses expositions à New York, en fait, et il a été acheté par tous les musées américains, ce qui est très, très
rigolo, c'est que si vous voulez voir des soulages des années 50, dans tous les musées américains, il y a du soulage des années 50. Par contre, il n'y a pas un seul outre noir dans les musées américains, parce qu'à partir de 79, soulage n'a plus exposé aux États-Unis. Donc les outres noirs sont dans les musées européens, les peintures des années 50 sont dans les musées américains. Ben, ils n'aiment pas, ils n'ont pas été en contact surtout. Hein. La première exposition d'outre-noir de Soulages, c'est en 2005 à New York, donc presque 20 ans, enfin 25 ans après l'apparition de l'outre-noir. Je pense que c'est probablement plus une histoire d'être en contact, plus que de pas aimer. Hein. En France, il est au jour d'aujourd'hui, quand on parle de Soulages, on parle de l'outre-noir, on ne parle quasiment que de l'outre-noir. Hein. Aux États-Unis, Soulages, c'est l'expressionnisme abstrait. C'est le... Ils en sont restés là. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu un rejet particulier. Je pense qu'il a eu très tôt l'opportunité d'exposer à l'étranger. Et donc, il s'est créé sa notoriété à l'étranger. En France, peut-être que dans un premier temps, il a été considéré comme étant un second couteau du mouvement de l'abstraction lyrique. Il y avait des personnalités qui étaient, comme Georges Mathieu, qui occupaient le devant de la scène dans les années 50, qui étaient des personnalités très fortes. Ça doit probablement être une conjonction des deux. L'opportunité qu'il a eue d'exposer à l'étranger, et donc toute sa production en fait, était aspirée par les galeries étrangères, hein. Et puis en même temps, le fait qu'en France, on s'intéressait peut-être plus fortement à d'autres dans les années 50. Oui. Mais ça s'est rétabli au cours des années 60, ça s'est rétabli. Et aujourd'hui, il est célébré comme le plus grand peintre français du siècle. Il a eu 90 ans l'année dernière, en 2009, donc il a 90 ans. C'était ses 90 ans, oui. Bah, toutes les expositions qui ont lieu en 2009, c'était pour ses 90 ans. Oui. Ah bah, il peint encore. Il a rien d'autre à faire, c'est ça? Il arrive au bout? Ben, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Soulages, ça fait 50 ans qu'on a l'impression qu'il est arrivé là où il est arrivé. À la fin des années 50, on avait l'impression qu'il était arrivé. Dans les années 70, on avait l'impression qu'il était arrivé. Il est sorti avec l'outre-noir. Là, il est encore en train de... Quand on regarde l'outre-noir, ça a quand même énormément évolué depuis 79. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Peut-être qu'il va s'arrêter là, on n'en sait rien. Peut-être qu'il va, entre guillemets, radoter pendant 5 ans encore. Mais il va peut-être se passer quelque chose. Bah, au blanc pur, hein. il va répondre qu'il s'intéresse à la lumière. Hein. Donc si le blanc peut lui apporter quelque chose d'intéressant au niveau de la lumière, il s'y intéressera. Il s'est intéressé au noir et blanc, au contraste pur de noir et blanc, il s'y est intéressé à plusieurs reprises. Non, il a quelques triptyques, ce qu'il appelle les polyptyques à espacement, qui sont donc des... La plupart de ces polyptyques sont soudés, hein, c'est plusieurs panneaux, mais enfin, qui sont physiquement accrochés. Il a quelques polyptyques à espacement, mais les espacements sont indiqués. C'est un espacement de 7 cm, donc c'est donné. Hein. Il a une seule série qui est une série à géométrie variable, c'est la série que vous avez vue sur le fond de mur noir. C'est une série de 7 tableaux qui, elle, est un petit peu à géométrie variable. Et ces 7 tableaux qui ont à peu près la même structure, hein, qui ont deux diagonales au même endroit.
et avec des variations sur quelle surface est striée et quelle surface est lisse. Et donc ça, c'est une série qui a géométrie variable. En fonction des expositions, il expose les 7, pas toujours dans le même ordre, ou même il n'en expose que 3 ou que 4. C'est la seule série que je connaisse qui soit à géométrie variable. Le reste, c'est relativement codifié. Oui. C'est-à-dire que le temps, enfin les événements extérieurs à la toile, eux, se déroulent selon une chronologie établie, et ça, la toile ne peut pas s'en défaire, c'est ça? Oui. Non, mais effectivement, oui. C'est toujours pareil, c'est un principe. On peut lire ses œuvres, et je pense que pour Soulages, c'est spécialement important, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui compte pour lui. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de voir les choses. Hein. C'est un angle de vue, c'est un point de vue sur son œuvre que de la lire à l'aune de ce refus de la linéarité. Ça marche relativement bien. Ce type de lecture, mais ce n'est pas non plus une vérité. Encore une fois, c'est principalement l'opinion de Soulages sur sa propre œuvre. Hein, on peut avoir, il n'est pas rare en peinture qu'on ait des théories totalement contradictoires sur qui soient issues de la même œuvre. Hein. Donc après, on peut être réceptif à cette analyse, à cette théorie, ou au contraire trouver qu'elle n'est pas très pertinente. Et d'ailleurs, Soulages, à ce titre, laisse la liberté entière au spectateur de recevoir son œuvre comme il le veut. Son point de vue à Soulages, c'est de dire qu'effectivement, ça change au cours de la journée, au fil des jours et des mois, mais que, étant donné que ça change tellement, quand on est face à la toile, on est face à la toile à un instant T. Et cet instant T n'est pas le même que le lendemain, n'est pas le même que le surlendemain, et donc que ça en fait un moment unique, un moment un petit peu hors du temps, parce que c'est toujours un instantané, et c'est toujours une confrontation au présent. C'est ça son message, quoi. Maintenant, on peut toujours arguer le fait qu'entre le 5 mars à 9h du matin et le 6 mars à 9h du matin dans le même lieu, on va avoir le même type de luminosité. Bon, on peut dire le contraire, un jour il y aura un nuage, le lendemain il y aura du soleil, mais... C'était son but. Maintenant, d'un autre côté, on peut dire bah justement, cette toile, pour la voir, il faut la balayer, donc il y a une linéarité. J'ai l'impression que c'est énormément lié à un effet d'optique. Oui. Il n'en parle jamais. Bah, c'est très étonnant. C'est une des choses les plus étonnantes sur l'œuvre de Pierre Soulages. C'est une liaison directe avec l'art optique. C'est totalement absent de toute la littérature sur Soulages. Alors qu'il y a des... Alors, il y a une différence entre l'art optique et l'art de Soulages, c'est le fait que l'art optique s'intéresse principalement quand même à la perception, tandis que Soulages s'intéresse à la lumière elle-même, pas forcément à la perception de la lumière, il s'intéresse à la lumière. Il y a des points communs, il y a plein de points communs entre la peinture de Soulages et l'art optique. Il en dit absolument. Et lui-même n'en dit rien, non seulement lui-même n'en dit rien, mais aucun commentateur n'a jamais, j'ai jamais vu un article...
qui établit une comparaison ou même des différences entre l'art optique et le truc, alors que ça paraît être évident à première vue. Moi, ça me semble tout à fait, tout à fait. C'est très étonnant. Mais je pense que c'est dû au fait que comme lui-même, lui-même de toute façon ne va jamais s'intégrer à un courant, hein, vu qu'il veut rester indépendant, donc il n'introduira jamais le sujet lui-même, donc les commentateurs qui sont relativement suiveurs voilà, ne vont pas s'en emparer. Quoi. Je pense que ça doit être ça la raison, parce qu'il y a des similitudes qui sont énormes entre l'art optique et l'art de soi. Bah, c'est vrai que c'est souvent ses amis qui publient des livres sur lui ou des connaissances. C'est vrai, mais enfin, bon, ça n'empêche pas, par exemple, la critique publie sans. Pourquoi je ne sais pas. Il y a quand même une certaine pertinence hein, dans son discours. Il y a quand même toute une théorie qui est quand même relativement séduisante derrière son œuvre et qui en elle-même est satisfaisante. C'est dommage qu'il n'y ait pas de voix indépendante. Ceci étant dit, la théorie qu'il propose a quand même un intérêt historique et un intérêt critique fort. Non, pourquoi je... Ok, plus de questions ? Ben merci beaucoup. Bonne soirée.